Hello tout le monde, c'est Sakluchi, alias The Working. J'espère que vous allez bien, moi franchement, ça va nickel, j'ai la patate. Donc là, aujourd'hui on est sur FIFA 16, en mode carrière, Manchester United. Donc ce qu'on va faire, c'est que c'est déjà une carrière que j'ai commencé depuis il y a 2 jours au moins. Je suis le 28 octobre 2015 et j'ai acheté, vous allez voir qui c'est que j'ai acheté, Ibrahimovic, et j'ai acheté Paul Pogba, voilà qui j'ai acheté. Donc j'ai fait un petit peu la mise à jour en quelque sorte, mais en 2015, bon à la base c'est en 2016. Aujourd'hui on se retrouve sur FIFA 16, donc désolé pour la mini absence, j'avais énormément de choses à faire, je dois me préparer pour la rentrée, j'ai pas encore fait ma liste de fournitures. Enfin, j'ai pas encore été chercher mes fournitures pour la rentrée en quatrième, donc c'est pour ça que ça me retarde. Je regarde beaucoup, je suis beaucoup la Ligue 1. Il y a eu la première journée qui s'est faite, donc j'étais vachement dessus. J'ai été chez des amis, donc il y a eu beaucoup de choses comme ça. À partir d'aujourd'hui, il y aura 2 vidéos chaque jour sur ma chaîne YouTube. Donc ça veut dire que vous en aurez une deuxième aujourd'hui. Je dis ça à chaque fois, je sais, et je sais que ça vous énerve parce que vous en avez qu'une à chaque fois. Mais cette fois-ci, il y aura 2 vidéos par jour si je le peux. Je vous dirai à la première vidéo du jour ou à la deuxième, enfin... ou le soir si j'ai pas pu le matin, ou alors à la veille. Je vous dis par exemple demain je pourrais pas faire la deuxième vidéo, donc demain il y aura qu'une vidéo car j'ai un rendez-vous à l'ortho phoniste dentiste, donc pour mon appareil dentaire, et du coup bah oui c'est pour me resserrer les bagues, bon ça vous vous en battez les couilles, et du coup demain je pourrais pas faire de vidéo, je suis désolée, parce que si je le fais après mon rendez-vous ce sera trop tard, et du coup je tenais surtout aussi à vous remercier parce que ma vidéo a 180 vues, donc la vidéo je vous présente mes maillots, celle numéro 2 ça fait à peine 4 jours que je l'ai mis, à la déjà 30 vues, donc c'est déjà bien. J'essaierai de vous faire ça. Bon, pour le moment, je vais quand même arrêter. Ça fait déjà le deuxième épisode. J'essaierai de vous en refaire un de la période 2017. un troisième épisode, mais je verrai. Hein. Prochainement, je vais peut-être commander un bas olympique de Marseille. Je vais me commander FIFA 17 qui va sortir le 29 septembre. Je l'ai déjà réservé, donc c'est pour vous dire. Je l'achèterai le 29 ou le 28 s'il arrive en boutique avant, une fois que je l'ai réservé. Donc c'est vrai. Alors Battlefield, je vais l'acheter, vous inquiétez pas. Mais ce sera pour Noël, je suis désolé d'avance. J'ai aussi acheté... Alors oui, pour ceux qui ne savent pas, j'ai une Wii. Et j'ai acheté... Mario Party 9, donc en gros c'est Mario Party 9 en quelque sorte, c'est un Mario mais des mini-jeux plutôt sympas sur la Wii. J'essaierai de faire ça, genre j'inviterai Enzo si je peux, j'inviterai Matisse si je peux aussi. Donc il m'a coûté 10,90€ sur Price Minister, il est pas cher donc ça va. Donc là ça bug hein. Chaud, c'est nul. Donc voilà, bon là je fais un petit match tranquille sur le match carrière comme je vous ai dit. Donc là par contre je fais pas jouer Ibra et Pogba car ils sont vachement fatigués parce que mon ancien match c'était Manchester United, Manchester City, donc voilà. Du coup là je vais jouer. Donc pour ceux qui savent pas, je joue en pro. Je suis pas non plus je joue pas en champion ou en légende, je suis pas un mec comme ça. Donc c'est parti, première action, Mata. Non, c'est de la merde. Allez, on remet, et c'est un centre pourri. Un centre tout pourri du cul. Donc là, c'est la Coupe Capital One. C'est un peu comme la Coupe de Ligue, mais version Angleterre, quoi.
Donc voilà, bah sinon ça fait un moment qu'on s'est pas vu, ça fait genre 4 jours on va dire, 3-4 jours, donc désolé hein, encore pour cette encore petite absence. À chaque fois je fais des vidéos, mais je vous jure que c'est pas facile hein, de mettre deux, parce qu'en fait c'est dur, parce que c'est le temps d'upload qui me fait chier, parce que je peux pas upload en même temps deux vidéos, j'attends 2 heures entre chaque publication minimum. Et là je viens de faire de la merde parce que je voulais faire une feinte et j'ai passé dans le vide. Billy Jones. Donc, de toute façon, dès que FIFA 17 sort, je l'aurai, vous inquiétez pas. Donc, je vais vite, enfin, je vais beaucoup faire de vidéos dessus. Mathieu Darmian. Ander Herrera. Donc, voilà. Smalling. Yes, c'est bon, Smalling. Aïe aïe aïe. Bon bah je vais continuer avec 10p hein. Et voilà, il avance 10p hein. Aïe aïe aïe, j'aime bien ces. Oh yes! Et bah voilà. C'est qui? C'est Herrera. Voilà, le petit but sans faire exprès de Herrera. Franchement, sans faire exprès, les gars. Il a avancé. J'ai même pas appuyé ou quoi, regardez. Clac. J'ai juste avancé, ça a rebondi sur lui. Donc voilà, le but nul. Donc les gars, là, notre but, c'est de s'imposer. Bon, je veux juste. Là, c'était juste pour vous expliquer 2-3 petites choses encore une fois sur ma chaîne. Et blablabla, quoi. Ah oui, je l'ai vu là, l'appel. Oh merde. Bah, tu sais, Fellaini, le mec, il est tellement rapide qu'il va en défense, quoi. Bonne anticipation sur ce centre. Allez. Ah oui, le centre. Yes! C'est qui? C'est Rashford. Cette action, Franck. Ah ouais, et les gars, moi comme je vous dis, alors après moi je suis plus carrière et tout, j'attends surtout le mode bah comme vous savez Alex Hunter, j'attends aussi le mode entraîneur, enfin le mode comme ça quoi, et le mode joueur aussi, sauf FIFA 17, c'est les trois modes que j'attends. J'attends aussi fut. Oh merde, je l'ai blessé. Ah bah non, c'est bon, je l'ai réanimé. Ah yes, il est passé à Rashford. Est-ce qu'on peut dire qu'il est pas passé en fait? Yes! Et là, je vais essayer de la mettre en lucarne. Lupacarne. Et grosse frappe! Bouya, Fellaini. Ça se voit trop, ça se voit de 150 mètres qu'il y a Fellaini. Bon, là, déjà 3-0. Par contre, c'est chiant, je crois que je vais me mettre en champion. Parce que je me fais chier en fait. C'est que des fois je galère, par exemple Manchester City c'était très vraiment à la fin, j'ai réussi à marquer avec je sais pas, je crois, ouais c'était Martial, non je sais plus, Ibrahimovic, je sais pas, ou Pogba, je m'en rappelle. Oh merde, oh le con quoi. Concernant Pokémon Go, alors est-ce que je vais faire une vidéo dessus? Je trouve que ce jeu a été beaucoup particulièrement fait. Ce serait pas trop d'originalité de le faire, mais c'est vrai que ce serait peut-être sympa une nuit de sortir avec Matisse, si vous voulez, dans Saint-Laurent. En plus, j'ai mon Pokémap téléchargé, donc oui, ce serait sympa. En plus, j'ai la 4G. Par contre, il faudra que je prenne le portable à ma mère. Et vu que j'ai le même compte sur mon portable et que le portable à ma mère, et ben c'est parfait. C'est sauvegarder sur mon portable tous mes Pokémon. Et vu que j'ai un bon Pokémap sur sur le portable à ma mère, bah ce sera bien quoi. Allez, c'est bien ça.
Allez, Rashford, gros tir là, gros tir. Ouh, j'ai jamais réussi à faire un but comme ça. Par contre, là, ça m'étonne de gagner 4-0. Remarque, on est contre Sunderland, c'est pas la meilleure équipe. Mais ça m'étonne énormément de faire un score comme ça. Ça m'étonne. Mais bon, c'est comme ça. On y met. Ah, si, je croyais qu'on n'était pas encore à la mi-temps. Je m'étais dit, mais putain. Voilà, malheureusement, les gars, la rentrée arrive. Remarque, moi, je suis content, je vais pouvoir voir mes copains et tout, c'est sympa. Puis moi, ça me dérange pas tant que ça, l'école. Donc, voilà. Ouais, la passe est mal ajustée et récupère un ballon facile. Je sais qu'il y en a beaucoup qui détestent ça. Surtout dans cette surtout dans cette génération. Oh, oh, oh! C'est vrai que... génération, ouais. Alors, mon frère, bon, c'est vrai qu'il a 21 ans, j'ai 13. Il vient, bah, il allait dans quelques mois, dans 5 mois, il en a 22 ans. Oh yes! Oh! On a 8 ans, voire 9 ans d'écart. La retournée qu'il aurait fait Fellaini, mais s'il te plaît, regardez ce replay, les gars. Ouais, bah c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Clac. Regardez-moi ça. Bam. Et là, regardez ce qu'il allait faire. Regardez ce qu'il s'apprêtait à faire, les gars. Malheureusement, ce connard de gardien gâche. Hein. Je vais essayer de faire un beau but là. Satisfait des performances de ce joueur. Ouais, bah un beau but, ça veut pas dire de la merde. Hein. J'ai envie de faire un beau lob, tu vois, mais c'est dur. Ah oh, merde. Et puis ce qui est bien, c'est que je suis content aussi. Les abonnés montent. On est à 109 abonnés, les gars. La dernière fois, je vous jure, en une journée, j'ai monté de 4 abonnés. Ce qui est plutôt pas mal pour moi. Et franchement, je suis toujours aussi content. Merci, les gars. Oh putain, c'est quoi ça, a à peine rebondi sur sa tête là. What? J'ai même pas fait exprès. Je vais faire 2-3 changements parce que je vois qu'il y a des... Caric, de toute façon, il est chiant, il est tout le temps mort. Puis là, je sais pas qui mettre, je vais mettre... Écoute, je vais mettre. Je vais acheter Tiger. Ensuite, je vais mettre Ibrahimovic. Et je vais mettre. Ouais. On va mettre. Lingard, même si c'est pas du tout son poste. Mais alors, pas du tout. C'est le truc à mon avis qu'il déteste, mais bon. Billy Jones. C'est chaud. C'est la haisse, frère. Je gagne 4-0, c'est des merdes. Allez, là, on va faire une belle action avec Schweinsteiger. Chercher Ibrahimovic sur ce centre. Oh, oh non, je crois qu'il n'était pas sur son bon pied. Bah ouais, en plus, puis c'était dans le plaisir. On revoit ce but. Oh là là, franchement, l'action, les gars. J'adore Manchester United. En plus, je pense que leur mercato, je pense qu'ils vont payer sur la saison. Je pense qu'ils vont tâter le haut du classement, enfin plus que la saison dernière, avec ce qu'ils ont fait comme recrutement. Je pense qu'Ibrahimovic va surtout s'amuser aussi en Barclays. Paris, pareil, ils ont perdu bon un énorme joueur hein, de leur effectif. C'est un peu lui qui leur donnait souvent la victoire, hein, on peut leur dire, mais bon. Maintenant parlons de Marseille, bah Marseille écoute, bon il y a eu égalité.
Bon les gars, petite coupure car ça fait 15 minutes que je rec. C'est dommage, ça bug tout le temps ces trucs là. De toute façon, je fais la fin du match et puis. Là d'ailleurs, ça va être bientôt la fin du match. Peut-être la dernière action. Allez, j'y vais avec le gardien. Et voilà, c'est gagné, les gars. En plus, vu que c'est un truc de coupe, ça me qualifie, je crois, pour les quarts ou un truc dans ce genre. Et voilà, les gars. Ouais, voilà, ça me qualifie pour les. Ah, bah non, pour les quarts, ouais, les quarts. Du coup, là, je vais jouer contre. Ah, bah, West Ham aurait pu jouer contre moi, mais non. Everton va jouer contre. Contre Arsenal. Je pense qu'Arsenal va passer. Et si moi je passe, ça fera Manchester United Arsenal, je pense. Puis après, sûrement Manchester, vu que je suis bon en finale. Après là. Leicester va sûrement passer en demi. Et contre Aston Villa. Et je pense que Leicester face à Manchester United sera une bonne finale de Coupe Capital One. Voilà. Mais pour le moment, il va falloir attendre. Voilà, bon, pour le moment, je suis en haut du classement. Prochain, c'est Crystal Palace. Bah voilà, bah, je vais sauvegarder, les gars. Voilà, hein. Et voilà, j'ai sauvegardé, donc j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo. Donc il y en aura une deuxième, vous inquiétez pas, cet après-midi. Donc moi, je vous dis à tout à l'heure. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter la vidéo, à vous abonner et à partager sur tous vos réseaux sociaux. Et surtout à vous abonner, c'est important pour moi. Continuez à vous abonner comme vous faites, vous êtes les meilleurs. Vous êtes ma communauté, vous êtes des rois. Allez, ciao ciao et à tout à l'heure.